UFDG, responsable du UFDG, je voudrais transmettre les meilleures salutations de notre président, le président Elad Sylvie Koutalé-Diallo, qui est à Abidjan depuis 48 heures. Pour assister au congrès du parti du président Alassane Ouattara. Imaginez le dire qui est fier. Aujourd'hui, incontestablement, l'UFDG est le plus grand parti de la région. Si l'UFDG est le plus grand parti de la région, c'est grâce à vous, les militants. Nous sommes fiers parce que c'est le seul parti qui est capable de faire une telle mobilisation. Il y en a qui ont quitté le kilomètre 36, on n'a pas donné un franc. À 7 heures du matin, il y en a qui attendent jusqu'à 11 heures. D'autres partis sont obligés d'utiliser les minibus pour aller chercher les militants. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons des militants. C'est grâce à ça que le président Sylvie aujourd'hui, incontestablement, est le plus grand leader du Parlement de la Guinée. Reconnaissons-le, c'est le plus grand leader du plan africain. Parce que c'est le seul parti de l'opposition qui a au moins 37 députés à sa gestion. Ce matin, malheureusement, à son mesure, d'une façon lâche, dans son domicile privé, un hélicoptère de l'armée guinéenne. De 9h40 jusqu'à 9h55, était en train de survoler le domicile privé du président Sylvie Koutalé-Diallo. Je ne dis pas ça là. Non seulement l'hélicoptère a survolé son domicile, mais en plus, on a vu des gens qui prenaient des photos. Vous savez, c'est une technique. Ils veulent essayer de vouloir intimider l'UFDG. Personne ne veut intimider l'UFDG. La direction nationale du parti va se trouver immédiatement. Et nous allons demander au gouvernement de se apporter des explications par rapport à ce comportement. On ne peut pas faire ça dans un pays normal. Mais comprenez, quand c'est le cas qu'il y a manifestation, au niveau de ce qu'il n'y a personne de l'ordre. Mais on ne peut pas nous intimider. Qui veut intimider l'UFDG? Qui veut intimider les militants de l'UFDG? Qui veut nous empêcher de marcher? De vouloir nous incliner, je vous garantis
majorité. Quel est le dollar canadien? Gardez-vous parce que nous, en ce qui concerne les péchés, à ce stade, on ne connaît pas la nature de l'accord à l'exil. Nous attendons de voir pour pouvoir nous prononcer. C'est que je n'ai pas connu ce parti-là, c'est lui qui est venu. Je pense qu'il va nous indiquer qu'est-ce qu'il allait faire la Chine, comment il est déjà, quels sont les engagements qu'il a pris. En attendant, nous nous réservons de tout commentaire, mais nous nous posons en tant que parti dignement de la Chine, évidemment. Le cas de 5 milliards, 5 ans, à 3 ans.